Vous êtes sur RTL. 5h. Et à la une de l'actualité de ce jeudi 16 juillet, le discours de politique générale du Premier ministre à l'Assemblée nationale hier. Son grand oral et les territoires à la une, l'accent. En plus, Jean Castex a obtenu une large majorité au moment du vote de confiance. Une France du bon sens et de la raison pour relancer notamment l'économie du pays. Et ça passe bien sûr, Marie Mollet, par les territoires. Oui, le mot territoire était hier partout dans le discours de Jean Castex. Pendant près d'une heure, il a chanté les vertus de la vie quotidienne, du concret et de la France, dit-il, du bon sens. Les territoires, c'est la vie des gens. Libérer les territoires, c'est libérer les énergies. Nous devons, mesdames et messieurs, réarmer nos territoires. Et tant pis si l'on ne sait pas toujours à quoi correspondent ces fameux territoires, Jean Castex énumère. France des banlieues, France rurale. France des Outre-mer, France dite périphérique. En gage de sa bonne volonté, il promet plus de décentralisation ou la création d'un juge de proximité pour réprimer tags et incivilités. L'objectif est clair, casser l'image d'un pouvoir parisien déconnecté. Jean Castex, qui cultive volontiers son image d'homme de terrain. Je suis, comme simple citoyen, comme maire de terrain depuis 12 ans, engagé au service des autres. Il reste beaucoup plus discret sur sa brillante carrière de haut fonctionnaire. Marie Mollet, service politique d'RTL. Et des aides financières tous azimuts. 40 milliards pour l'industrie, 20 milliards pour la rénovation thermique. Grande avancée écolo, un vrai plan vélo, un développement écologique. Barbara Pompili, la nouvelle ministre de la Transition écologique, sera d'ailleurs l'invitée de Benjamin Sportouche ce matin à 7h45 dans la matinale d'RTL. Jean Castex qui a confirmé un peu plus tard dans la journée que le port du masque serait rendu obligatoire dans les commerces et les lieux recevant du public clos. Ce au plus tard le 1er août, dans un entretien avec les lecteurs du Parisien aujourd'hui en France, précisant tout de même que si on constatait avant cette date que l'épidémie reprenait, on avancerait cette échéance, mais ce n'est pas la peine d'angoisser la population, je cite Jean Castex, le nouveau Premier ministre. En Asie, en Europe et dans les Amériques, la pandémie de Covid-19 a provoqué une vague de reconfinement et de nouvelles mesures, comme le port obligatoire du masque, qui gagne du terrain, notamment aux USA, pays comme paralysé aujourd'hui par la vigueur de l'épidémie, avec un tout nouveau record du nombre d'infections au coronavirus en une journée, pas moins de 67 600 cas supplémentaires recensés en 24 heures. De toute façon, depuis ces derniers jours, c'est toujours plus de 50, voire 55 000 cas en moyenne. Et puis Jean Castex, pour revenir en France, terminer le dossier politique du jour, qui souhaite lutter contre les incivilités et les violences. Plus jamais ça, à l'image de ce pompier visé et touché par balle alors qu'il était en mission à Étampes pour éteindre un simple feu de voiture, blessé, hospitalisé et hors de danger ce matin. Alain Corolli, le directeur départemental des services d'incendie de secours de l'Essonne, a répondu à Nicolas Bernand. On a eu des agressions à l'arme blanche, on a eu toutes sortes d'agressions avec des pavés, des projectiles, des mortiers de feux d'artifice, des chutes d'objets de X étages dans certains quartiers. Mais là, une agression directe par arme à feu, par quelqu'un d'isolé, je ne l'ai jamais vu dans ma carrière. À un moment donné, la vocation à l'engagement, que ce soit les professionnels ou les volontaires, elle est fortement ébranlée. Il se pose beaucoup de questions. Parfois, un sentiment de frustration, voire d'humiliation, en pouvant interpréter leur place comme étant parfois utilisée comme appât ou comme jouet. Et ça, c'est extrêmement difficile. Psychologiquement accepté. C'est une montée inquiétante parce que sur Étampes, à mon arrivée il y a 10 ans, on n'en parlait pas. Il y a eu une augmentation assez rapide depuis quelques mois de ce niveau d'agression et d'incivilité dans certains quartiers ici qu'on ne connaissait pas encore il y a 2-3 ans. Nicolas Burnand, donc avec Alain Caroli, le directeur départemental des services d'incendie de secours de l'Essonne. Loin, bien loin de l'accord signé le 3 juillet dernier entre la veuve de Johnny Hallyday et ses premiers enfants, David et Laura, Laetitia s'est confiée à Paris Match pour revenir sur ses longs mois de procédure, la dette à payer et surtout une paix retrouvée dans cette famille déchirée après la mort du chanteur. Oui, mais voilà, Laura Smet, elle, a choisi RTL pour établir certaines vérités. Ces vérités, elle était l'invitée hier soir de Vincent Parisot. Là, on est sur le 1 mètre de distance en ce moment, s'il vous plaît. Là, ça va plutôt être des kilomètres de distance entre moi et elle, je pense, parce qu'il n'y aura jamais de paix possible. À partir du moment où elle a franchi cette ligne qui est de nous empêcher de dire au revoir à notre père, je parle pour moi en tout cas, hein, je ne parlerai jamais pour David. Ce que je sais aussi, c'est qu'on n'a pas dit à mon père qu'il était en soins palliatifs et qu'il était toujours sous traitement. Mon père ne savait pas qu'il allait mourir.
Donc, vous voyez, je vous dis des choses qui sont quand même très intimes et qui sont, chez moi, une déchirure que je ne pourrai jamais guérir. Il y a des choses que je pourrais toujours m'en sortir, mais ça, malheureusement, je suis bien obligée de passer par là pour commencer mon deuil. Je suis très contente qu'il y ait un accord de fait et qu'on passe à autre chose. Je vais devenir maman, j'ai envie d'être sereine, j'ai pas envie de me bagarrer plus longtemps que ça, ça ne me regarde pas. Je suis actrice, je réalise des choses, j'ai pas du tout envie de passer ma vie à m'occuper de cette histoire qui est quand même sordide. Mmh. Mais je peux pas laisser passer certaines choses. Mais... Laura Speth avec Vincent Parisot dans RTL Soir. Dossier complet à 7h15 avec Jean-Alphonse Richard ce matin. Et puis l'entretien de Laura Speth est bien sûr à retrouver en intégralité sur le site rtl.fr. Les juges européens ont donné raison à Apple, la marque à la pomme, contre Bruxelles, annulant ainsi la décision de la Commission européenne qui avait sommé le géant américain de rembourser l'Irlande de 13 milliards d'euros d'avantages fiscaux qu'elle jugeait indus. La France continuera à se battre pour une taxation accrue des géants du numérique, a assuré de son côté le ministre français des Finances et Bruno Le Maire de confirmer dans la foulée que la taxe d'habitation sera bien supprimée chez nous en France. Le Parlement a adopté définitivement une proposition de loi qui sanctionne désormais, vous savez, plus durement le démarchage téléphonique abusif, jusqu'à l'interdire même dans le secteur de la rénovation énergétique avec des offres souvent frauduleuses. Bill Gates, Elon Musk, Joe Biden, Barack Obama, ces personnalités et bien d'autres ont été visés hier par un piratage massif aux crypto-monnaies sur Twitter, qui remet sur le devant de la scène en tout cas la question de la cybersécurité. Donald Trump, lui, mal en point, on le sait dans les sondages en ce moment, a annoncé la nomination d'un tout nouveau directeur de campagne il y a quelques minutes en vue de la présidentielle du 3 novembre. RTL, petit matin d'été, il est 5h07, on passe au sport et le football et le Real Madrid qui, en cas de victoire ce soir face à Villarreal, pourrait devenir pour la 34e fois de son histoire champion de Espagne. Ce serait un deuxième titre pour un entraîneur pas comme les autres, Mathias Valton. S'il remporte la Liga ce soir, Zinedine Zidane aura réussi un pari fou. Celui de faire du neuf avec du vieux, celui de redonner une âme à une équipe que tous les observateurs disaient bonne pour la casse. Meneur d'hommes hors pair, Zizou réussit là où les autres entraîneurs trébuchent et est à une marche de remporter son deuxième titre cette saison, le 11e de sa carrière d'entraîneur sur 16 possibles. En privé, Zidane s'agace d'ailleurs qu'on ne reconnaisse pas la qualité de son travail et qu'on attribue ses succès à la chance. Moi, c'est pas mourir avec ses idées, c'est vivre avec ses idées. C'est vrai qu'il peut y avoir des commentaires, il peut y avoir des choses. Moi, je crois en ce que je fais, je crois à mon équipe, je crois aux personnes qui m'accompagnent pour justement que le travail soit bien fait. Et quand c'est comme ça, il peut rien t'arriver. L'autre grand artisan du renouveau madrilène s'appelle Karim Benzema. Deuxième meilleur buteur de la Liga derrière Messi, il a porté à bout de bras le Real offensivement. Décisif dans les moments clés, auteur de gestes techniques de très grande classe, il réalise la meilleure saison de sa carrière. Si bien qu'en cas de belle performance en Ligue des Champions, on le place déjà parmi les favoris au prochain Ballon d'Or. Ah oui, le Ballon d'Or, c'est vrai, on en reparle avec ce football aujourd'hui. On sera ce soir, donc vers 23h, puisque le match débute à 21h, si le Real remporte son 34e titre de champion. La mort à 72 ans de Gigi Lionel. Vous vous souvenez ? Oui, c'était le créateur de la célèbre... C'est la danse des canards qui, en sortant de la mare, se secouent le bas des reins et font coin-coin. Mais comme les petits canards, et pour que tout le monde se marre, remuer du popotin en son coin-coin. La danse des canards, Gigi Lionel. Décédé hier à l'âge de 72 ans, ça nous rappelle quand même pas mal de petits souvenirs, un peu de nostalgie pour certains. 5h09, un temple de petits canards. J'ai...